parle avec vous, Vincent, ce matin dans l'édito international du Kosovo, qui revient dans l'actualité via Roland Garros avec Novak Djokovic. Le joueur serbe, en effet, a écrit sur l'une des caméras du court central à la fin de son match « Le Kosovo est le cœur de la Serbie ». Arrêter la violence. Alors l'épicentre de cette violence, c'est le nord du Kosovo où vivent 40 000 Serbes qui s'accrochent à leur village, 50 manifestants blessés dont 3 dans un état grave et aussi 30 soldats de la KFOR, c'est-à-dire l'OTAN. Les affrontements ont commencé ce week-end autour des mairies. Le mois dernier, les Serbes du Kosovo ont boycotté les élections, ils se disent écœurés par le pouvoir central. Des albanophones ont été élus donc avec 3% de participation. Ce week-end, ils sont venus prendre possession des mairies, appuyés par les blindés de la police kosovare. Évidemment, ils ont été accueillis avec des cailloux par les villageois. La KFOR, la force d'interposition de l'OTAN, a été appelée en renfort. Et là, on a sorti les cocktails Molotov. Arrêtez la violence, dit Djokovic. Et bien, depuis 25 ans, à chaque fois que les Européens essaient, ils provoquent le contraire. Oui, la guerre dans les Balkans a 25 ans, hein, et on l'a oublié, Vincent. Le Kosovo est le fantôme qui hante l'Europe, cette histoire de musulmans albanophones qui se révoltent dans une province qui veut l'indépendance comme les autres de Yougoslavie, la rébellion que Belgrade réprime aveuglément et l'Europe qui part en guerre, poussée par les Américains. Elle va provoquer le nettoyage ethnique qu'elle prétendait empêcher. C'était il y a un quart de siècle, c'est loin, c'est obscur. Et avec le recul, c'est pire. Pourquoi ? Parce qu'on a mesuré l'énormité des mensonges de l'OTAN pour justifier son entrée en guerre, sans vote de l'ONU et au mépris de sa charte. À côté, la petite fiole d'anthrax brandie par Colin Powell contre Saddam Hussein, ben ça relève des farces et attrapes. La propagande de guerre pour le Kosovo a été tellement assourdissante que la plupart des Européens n'ont plus voulu en entendre parler. Personne ne suit, par exemple, le procès pour crime contre l'humanité d'Hashim Tachi, le chef de la guérilla, traité en héros, le mafieux devenu président à la place d'honneur à l'Arc de Triomphe pour le centenaire de 14-18 et désormais en prison à La Haye. Depuis 25 ans, l'Europe arrose d'euros et de conseils Pristina en espérant que pousse la démocratie multiethnique. L'OTAN a des troupes sur place pour laisser une chance à la paix d'imprégner ces terres sauvages. En vain, le Kosovo reste la république bananière de l'Europe. Corruption, chômage et la minorité serbe face aux albanophones qui conçoivent la démocratie comme la loi du plus fort. Mais quel est l'enjeu de cette affaire et de ces affrontements, Vincent ? Le Kosovo a permis à l'OTAN, qui avait perdu sa raison d'être avec la chute du mur, de passer enfin à l'action. Bombarder la Serbie a été sa première guerre. 78 jours de bombardement, 500 civils tués, 0 mort côté OTAN. L'énorme bureaucratie militaire installée à Bruxelles est devenue un outil militaire performant qu'ont adopté tous les anciens pays du pacte de Varsovie. Le dernier à vouloir entrer, c'est l'Ukraine, évidemment. Il y a 25 ans, l'OTAN a rectifié les frontières figées depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a arraché une province à la Serbie. C'est le précédent que brandissent les Russes à chaque fois qu'ils en font autant chez leurs voisins, en Géorgie d'abord, en Crimée ensuite, dans le Donbass maintenant. Le Kremlin souffle sur les braises au Kosovo pour faire diversion. Le Kosovo a été une répétition avant la guerre en Ukraine. C'est aussi un avertissement sur ce que l'avenir peut-être nous réserve. Dans l'actualité internationale, l'OTAN a annoncé aujourd'hui l'envoi de nouvelles forces au Kosovo, où des manifestants serbes sont toujours rassemblés devant une municipalité du nord du territoire. Cet endroit était en fait le théâtre de heurts ayant fait une trentaine de blessés parmi des soldats internationaux. Une situation totalement inacceptable selon l'OTAN. Explication, Bertrand Menu, Eric Dessiné. Attention, certaines images sont particulièrement violentes. On évoque aussi plus de 50 manifestants touchés, parfois grièvement. La Serbie pointe du doigt les autorités du Kosovo. Tout cela a été orchestré par Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo, car il veut engendrer un conflit entre les Serbes et l'OTAN. Pour se laver les mains de tout le reste. Depuis quelques jours, des Serbes du Kosovo protestent contre l'entrée en fonction de maires albanais dans 4 localités du nord du territoire. Ces maires avaient été élus lors d'un scrutin boycotté par les Serbes du Kosovo, qui sont toujours majoritairement fidèles à l'autorité de Belgrade. Car la Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo, son ancienne province. Et ce retour des tensions dans la région inquiète notamment les États-Unis et l'Union européenne.
I ask both parties to urgently take measures to de-escalate tensions immediately and unconditionally. La région est toujours sous tension ce mardi et l'OTAN annonce l'envoi de forces supplémentaires au Kosovo. Emmanuel Macron qui est attendu tout à l'heure en Slovaquie pour le Globsec, le forum annuel de la sécurité en Europe. Où il sera question, en plus de la guerre en Ukraine, de ses débordements au Kosovo. Des affrontements entre communautés serbes et albanaises qui ont blessé 30 soldats de l'OTAN lundi. L'armée serbe placée à son plus haut niveau d'alerte. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bratislava. Crainte d'une crise majeure qu'Emmanuel Macron tentera d'éteindre en rencontrant les dirigeants macédoniens et albanais. Oui, les échanges bilatéraux vont se succéder dans l'après-midi. Tout cela a été précipité au vu des derniers événements, rapporte l'entourage du chef de l'État. Emmanuel Macron avait prévu initialement une entrevue avec le président serbe Aleksandar Vučić, mais hier après-midi, il a annulé son déplacement à Bratislava en raison des tensions au Kosovo. Belgrade, allié historique de Moscou, fait figure de bastion pro-russe en plein cœur de l'Europe. Et tout en aspirant à entrer dans l'Union européenne, elle continue de soutenir massivement la Russie de Poutine. Avec les Balkans, Emmanuel Macron veut construire un dialogue de conciliation, soutient un conseiller, car le vieux continent n'a pas les moyens, après l'Ukraine, de faire face à un nouveau front. L'Europe est attaquée de toutes parts, résumé il y a quelques jours un diplomate. Le danger serait de s'enfermer dans l'effet tunnel ukrainien, poursuit un cadre militaire, et d'oublier les conflits périphériques, comme ceux qui opposent le Kosovo à la Serbie et l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Autant d'outils entre les mains de Vladimir Poutine pour exploiter les failles de la sécurité européenne. Bonjour. Aujourd'hui, puisque le Kosovo est à nouveau dans l'actualité, j'aimerais vous parler de la guerre du Kosovo et de l'agression de l'OTAN contre la Serbie. Attaque sous soi-disant des motifs humanitaires qui n'a pas été autorisée par l'Organisation des Nations Unies. Mais Madeleine Albright voulait absolument, je dis bien absolument, que le Kosovo soit une plateforme de l'OTAN et des États-Unis dans les Balkans. Et Madeleine Albright n'a pas changé. Rappelez-vous ce qu'elle disait des enfants irakiens qui étaient en train de mourir, à cause des sanctions américaines. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Alors, que s'est-il passé dans cette petite région peuplée d'Albanais et de Serbes? Du côté serbe, le Kosovo est décrit comme le berceau de la Serbie. Car il était, dès le XIe jusqu'au XVe siècle, le centre politique et culturel serbe. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs ces magnifiques monastères qui sont patrimoine de l'humanité et qui sont au Kosovo. En 1389, l'Empire ottoman arrive aux portes des Balkans, au Kosovo, ici autour de nous, la plaine de Kosovopolis, ce qui signifie en serbe le champ des merles. Le Kosovo, c'est la source même, c'est la Jérusalem des Serbes, c'est l'origine de la nation serbe, c'est la bataille Kosovo-Piolje qui fut fondatrice contre les Turcs ottomans, c'est vraiment le cœur de la nation serbe. La région est autonome jusqu'en 1989, date où Slobodan Milosevic décide de rattacher le Kosovo à la Serbie. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, toutes les républiques de Yougoslavie commencent à demander l'indépendance. La Bosnie, la Croatie, bien sûr, toutes ont des mouvements
d'indépendance. Il y a une révolte contre le pouvoir central. Alors cette décision de rattacher le Kosovo à la Serbie n'est pas bien prise du tout à Pristina, la capitale du Kosovo. Il y a une énorme manifestation contre le pouvoir, elle fait 24 morts, dont deux policiers serbes. Les partis indépendantistes sont à ce moment-là, pour la plupart, non violents. Nous sommes maintenant en 1995. La Yougoslavie, comme vous le savez, a complètement éclaté. La Bosnie, la Croatie se sont en allés. Ils ont l'indépendance. Et c'est à ce moment-là que naquit l'UCK, une guérilla indépendantiste. En 1997, l'organisation UCK arrive à avoir de nombreuses armes en contrebande venant d'Albanie. En début 1998, la recrudescence des attaques de l'UCK font que il y a une présence accrue de ces troupes paramilitaires et serbes au Kosovo. À partir de 1998. 1998 encore, Belgrade mène une très très grande offensive contre l'UCK dans une région centrale du Kosovo. C'est l'un des principaux bastions du mouvement indépendantiste. Un centre de coordination de la vérification du Kosovo créé par l'OCDE est installé à Kumanovo, en Macédoine, pour informer clairement l'OTAN de ce qui se passe au Kosovo. En février 1999, je me rends moi-même en Macédoine, à Kumanovo, où je dois faire un reportage sur les forces françaises qui sont stationnées sur place et qui éventuellement pourraient protéger et extraire la mission de vérification qui est au Kosovo. Changement de décor, nous sommes en ex-Yougoslavie, en Macédoine plus exactement, à quelques kilomètres de Kumanovo. Ici, les forces françaises d'action rapide ont reçu une mission, évacuer nos ressortissants du Kosovo tout proche en cas de besoin. Malheureusement, on me refuse de partir avec les commandos. Je ne peux les suivre qu'en entraînement en France. Un exercice grandeur réelle a été concocté. Les hommes qui se préparent à l'action viennent des GCP, mais aussi du commandement des opérations spéciales. Alors les négociations de Rambouillet s'ouvrent, elles réunissent Serbes, Albanais du Kosovo et bien entendu les Français et les Américains. À en croire le Washington Post, le gratin de l'armée américaine n'est absolument pas favorable à un déploiement de force et encore moins à des frappes sur la Serbie. Le chef d'état-major aurait émis ses réserves personnellement à Madeleine Albright. Alors le 20 mars 1999, les forces yougoslaves lancent une campagne massive de répression et d'expulsion d'Albanais du Kosovo.
à la suite du retrait de la mission de vérification de l'OCDE et de l'échec de la conférence de Rambouillet. La communauté internationale a réagi à la crise en 1998 en créant un groupe de contact composé de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, qui fit d'ultimes efforts diplomatiques en février 1999 lors de la conférence de Rambouillet. Vladimir Volkov, écrivain très connu, signe avec de nombreux intellectuels français une pétition contre la guerre. En vain. L'OTAN intervient avec une campagne de bombardement aérien qui commence le 24 mars. Il la justifie comme une guerre humanitaire. Mais ils n'ont pas l'aval de l'Organisation des Nations Unies. Mais qu'importe, il faut en finir avec la Serbie. Madeleine Albright est à la manœuvre. Bien. Le 24 mars 1999, l'OTAN donne l'ordre de détruire des cibles militaires serbes en Yougoslavie. C'est le début de l'opération Allied Force. 78 jours de frappes aériennes intenses, plus de 38 000 sorties effectuées. Bonsoir, l'OTAN a lancé depuis un peu plus d'une heure une nouvelle vague d'attaques en Yougoslavie. Le bilan de la première, celle d'hier soir, fait l'objet de deux commentaires différents. Opération réussie, disent les militaires alliés, qui parlent d'une quarantaine de cibles atteintes et d'aucun appareil de l'OTAN touché. Des dizaines de morts et de blessés, notamment chez les civils, disent de leur côté les Serbes. Nous essaierons tout à l'heure d'entrer en relation avec leur ministre des Affaires étrangères. Le régime Milosevic se radicalise, les Kosovars craignent des représailles. Des milliers de manifestants ont mis le feu à l'ambassade des États-Unis en Macédoine et Moscou continue d'agiter la menace d'une réplique dont on ne connaît pas les contours. C'est très historique moment qui est au contraire de l'amitié entre les Serbie et la France, alliance historique entre nos pays, entre nos peuples. Ces frappes qui duraient plus de 70 jours semblent mener une impasse jusqu'à la conclusion d'un accord entre la République fédérative de Yougoslavie et les envoyés spéciaux de l'Union européenne. Le conflit armé s'arrête le 11 juin. 11 juin, avec le retrait des troupes de l'armée yougoslave du Kosovo. Le 10 juin 1999, la guerre au Kosovo se termine. Mandaté par les Nations Unies, près de 35 000 soldats forment la Kosovo Force, ou KFOR. Parmi eux, 8 000 Français. Nous sommes arrivés. Le monde, selon Madeleine Albright, est un monde où les États-Unis sont, par essence, un monde indispensable pour la résolution de tous les conflits et pour les intérêts des États-Unis. Mais pas seulement des États-Unis. L'Albright Group, société de Madeleine Albright, siège au conseil d'administration d'IPONET, l'un des principaux opérateurs de téléphone mobile du Kosovo. La République fédérale de Yougoslavie a estimé entre 1200 et 5700 morts les civils qui ont été tués par les bombardements de l'OTAN. En 2010, un rapport d'enquête du Conseil de l'Europe, fait par le parlementaire suisse Dick Marty, a révélé que durant la guerre, l'UCK avait organisé un trafic d'organes prélevés sur des prisonniers serbes. C'est un trafic d'organes qui est fait sous le nez des internationaux, et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'avant d'enlever les organes, on tue les gens. Les captifs étaient emmenés en Albanie, où l'on prélevait des organes, principalement des reins, et vendus sur le marché international. Après la guerre, une liste compilée indique
que plus de 13 500 personnes ont été tuées et ont disparu au cours du conflit. Environ 200 000 Serbes et Roms ont fui le Kosovo. À ce long convoi militaire se mêlent également des civils serbes. L'arrière de leur voiture regorgeant d'affaires, ils sont partis de Peć ou de Pristina, craignant des actes de vengeance des Albanais de souche. Je vais en Serbie. Écoutez, j'espère que les choses se passeront bien ici, mais pour l'instant, vraiment, je préfère partir. Où allez-vous? Vous allez en Serbie? Oui, je pars à Niche. Vous pensez que c'est dangereux? Écoutez, oui, c'est dangereux, tout est possible. Et donc la Serbie est devenue l'un des pays où il y a le plus grand monde de réfugiés en Europe. Les Serbes restants, car il y en a toujours au Kosovo, ont été victimes d'abus invraisemblables. Oui, c'est dur. Nous vivons entourés par les Albanais. Moi, concrètement, je vis dans un quartier où tous les voisins sont Albanais. Dire quelque chose, nous allons rester. Nous n'avons nulle part où aller. Ici, c'est la terre serbe, la terre sainte, et personne ne peut nous en chasser. On peut dire aujourd'hui que la perte du Kosovo par la Serbie est le traumatisme national. C'est la perte face à l'ennemi existentiel, ottoman, turc. Cela signifie la soumission du non-musulman au nouveau dominateur turco-ottoman. Alors l'indépendance du Kosovo a été proclamée bien plus tard, le 17 février 2008, lors d'une session extraordinaire du Parlement et des institutions provisoires du Kosovo, qui a déclaré cet État indépendant de la Serbie. Cette dernière s'y opposant évidemment farouchement. Mais aujourd'hui encore, le Kosovo n'est reconnu que par 114 des 193 pays membres de l'ONU. Les troupes de la KFOR sont toujours présentes sur place et la mission européenne EULEX encadre police, justice et administration locale. Le chômage est l'un des plus hauts du continent européen. Le pays vit sous perfusion internationale. Il est la plaque tournante de nombreux trafics. Et la réconciliation entre Serbes et Albanais est encore bien lointaine. L'indépendance n'est pas seulement contestée par Belgrade, mais le Kosovo n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Le Kosovo veut se doter d'une armée et le Conseil de sécurité se réunit en toute urgence. Oui, bonjour à tous. Il y a des fantômes qui reviennent hanter les assassins et le Kosovo est la mauvaise conscience de l'Occident. On a fait la guerre pour le Kosovo et c'est notre échec éclatant. Le pays le plus corrompu d'Europe, le plus mafieux, celui qui a fourni le plus de djihadistes à Daesh et à Al-Qaïda, le plus gâté aussi. 5 milliards d'euros y ont été déversés. Alors c'est mal vu d'en parler, ces histoires de Yougoslaves découragent les Yaka Faucons sans frontières. Mais ça nous touche directement. Par exemple, la semaine dernière, pendant le match de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade, 4-1, une gigantesque banderole avait été déployée pour dire « Merci à la France de 14-18 ». Adieu à la France qui n'existe plus. Eh bien, c'était à cause du Kosovo. C'est parce que le 11 novembre, à l'Arc de Triomphe, le président serbe a été relégué loin des autres chefs d'État, alors que l'armée serbe a été notre alliée la plus héroïque en 14-18. 40% de ses hommes y sont restés d'ailleurs. À sa place, l'Élysée avait mis Hashim Thaçi, le président du Kosovo. Ça lui a bien plu d'ailleurs, le soldat inconnu, les honneurs militaires, les troupes passées en revue. Et vendredi, il a fait voter à son parlement la création d'une armée du Kosovo, 5000 hommes et 3000 réservistes, de quoi faire une bonne petite guerre balkanique. Évidemment, les derniers Serbes qui n'ont pas encore été chassés du Kosovo s'inquiètent. Et ils ont raison ou pas? Bien sûr. Pour fêter le vote, eh bien Hashim Thaçi a remis son treillis du temps où il était le chef de Loucheka, la guérilla qui assassinait les Serbes. L'Union européenne donne 600 millions d'euros par an au Kosovo. L'OTAN assure la sécurité. L'ONU assure la reconstruction. Mais le président Thaçi décide de créer une armée contre l'avis de l'OTAN, de l'ONU, de l'Europe. La créature a bien échappé à son Frankenstein. Voilà, je voulais faire un petit tour d'histoire sur le Kosovo qui peut maintenant encore se révéler très, très chaud.
À bientôt donc sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, le pouce et partagez. Au revoir.